Rémi, il y a des oui. portes. C'est bon. Les joueurs sentent qu'on est là, vraiment, même si on ne sera pas dans le stade, on est là, on leur montre qu'on sera là, derrière, on enverra toutes les forces qu'on pourra et voilà. Très important, parce que ce match il est attendu depuis des lustres et voilà, il ne faut pas lâcher quoi. C'est plus qu'important, c'est une obligation d'être là, bon, on est là pour donner de la force à nos joueurs, on ne peut pas, les huis-clos, tout ça, c'est des choses qui nous dépassent, donc du coup on fait ce qu'on peut, toute la semaine on a œuvré pour que pendant 10 jours même, on a œuvré pour que tout le peuple montpellierain s'aperçoive qu'il y a un vrai derby et que le match ne passe pas à la trappe, un vrai engouement. Et puis les bons résultats, c'est que du bonus. Parce que ce qu'il faut savoir, c'est que même si on avait un mauvais début de saison, on serait là, on aurait fait la même chose. Et s'il y a bien un match qu'il fallait rassembler le monde, c'était aujourd'hui, le peuple orange et bleu. Oui, ben, l'Armata, toute la semaine, a fait quelques messages pour mettre en garde les Nîmois qui allaient venir aujourd'hui et bon voilà, le monde a répondu présent et ça c'est cool, vraiment cool. Et il faut que les joueurs ressentent la ferveur qu'il y a malgré toutes ces restrictions, on ne peut pas rentrer dans le stade, etc. Mais nous on est là et on sera toujours là. La cerise sur le gâteau c'est ce soir. C'est ce soir qu'il va falloir porter ses couilles. Un peu de saveur si ça avait été avec ce qu'il faut, avec le public et tout, bien sûr il aurait plus de saveur, mais bon. Ça y est toujours, n'importe quoi, d'une manière ou d'une autre. Hein. Il y a toujours cette envie de gagner contre Nîmes. Hein. Mais ouais, c'est parce que je veux dire, depuis le début, bon, encore jusqu'à maintenant, on a pu aller au stade sur les trois premiers matchs. Ce qui est quand même regrettable que ce soit pour le derby, que ce soit huis clos, alors qu'on aurait pu faire, je veux dire, ça s'est bien passé pour les trois premiers matchs. Ce qui était bien que je veux dire, on le fasse pareil avec 5000 spectateurs. Hein. C'est plus que frustrant. Tu n'as qu'à le voir là avec tous les gars qui sont présents maintenant. Hein. Voilà. Et c'est vrai qu'on s'est régalé là, depuis le début de la saison. Donc je pense qu'on se serait régalé encore plus aujourd'hui là, avec du monde dans le stade. Bon, il sera à la télé, mais j'espère qu'ils vont nous donner le bonheur d'une victoire. Hein. C'est pas vitose, hein. Ah, mais ton mannequinat lâche la peinture. Hein. Voilà, ça. Quand ils arrivent, il faut que ça soit le feu, les gars. C'est très chaud, c'est très régalé, franchement, on est pas mis dans le match et j'espère qu'ils vont tout faire pour remporter ce derby. Ben là, on va entendre le but des supporters de Nîmes pour savoir s'ils passent et les mettre dans l'ambiance, leur montrer qu'on est chez nous à Montpellier, que ça ne se passe pas. Non, je crois qu'ils sont passés ailleurs, non? Ah ouais. Bon, je te laisse, on va faire la causerie. Bon, ben si tu rentres, bon match. You know what happens with him.
des blazes à mettre. Après, ça a été fou là, avec le coop et le chiffon et tout, c'était fou. Des Gardois qui vont évoluer sur un profil d'équipe en 4-4-2 avec les seuls attaquants de pointe que seront Renaud Ripard et Kevin Danquier. Les milieux seront Ferrat, Do, Dubas, l'Argentin et Comba. La défense, Lambre. C'est son premier derby à TJ Savanier depuis qu'il porte le maillot montpelliérain. Justement, sous le maillot montpelliérain, c'est le premier derby. Il avait joué il y a 2 ans le match à Nîmes qui s'était soldé sur un score de 1 but partout avec l'égalisation d'Andy Delors. Mais à cet instant-là, TJ portait les couleurs du club gardois. Allez, je tombe. On est tous avec le MHSC, nous le dit Johan, Eva aussi. On a soif, Sersou, oh là là, qu'est-ce que j'ai soif, ça vous pouvez savoir. Vous pouvez dire que j'ai soif, non, non, mais je suis armé quand même, je suis armé. Dans cette cathédrale de la Mosson, tristement déserte cet après-midi, si ce n'est bien sûr des staffs des deux équipes. Passera la suite. Allez gars, il y a 95 minutes à se donner à fond. Pour le club, pour la région, pour tout le monde, pour nous, pour nos familles, pour tous les gens qui nous regardent derrière l'écran, que ce soir ils passent une belle soirée quand ils arrivent chez eux. Allez les gars, tous ensemble. On va pas gagner le derby tout seul les mecs, hein. On va gagner le derby ensemble. Hein. Ensemble. Ensemble, tous les ensemble, gars, tous, on va le gagner. Tous. Hein. Tous. Oh. Allez. Allez, 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 allez. Et avec la tête les gars, hein, comme je vous l'ai dit. Hein. Allez les gars, t'as le trio dedans, t'as le pied. On joue, hein. Disponible, quand on a le ballon disponible. On voit vers l'avant. Les renversements de jeu. La qualité des centres. Il y a du monde devant le but. Et quand elle est fatiguée, ben les partenaires sont là, hein, sur le banc. Hein. Allez,
Après qu'on soit présent dans les duels, c'est une chose. On a le ballon, on joue, hein. Okay. Allez, c'est les boules, hein. C'est compliqué. Allez, fiche. Eh bien, nous y voici, chers amis. Bonjour à toutes, bonjour à tous. Nous voici au stade de la Mosson, comme je l'ai très rarissimement vu dans l'histoire du club. Un stade de la Mosson vide de son public, mais pas vide de ses supporters qui, il y a un peu plus d'une heure maintenant, un peu plus d'une heure et demie, ont très chaleureusement accueilli l'arrivée du bus du MHSC, l'arrivée du bus des joueurs de Michel Derzakarian, qui ont été évidemment encouragés comme il se doit et comme vous l'imaginez. Nous n'attendons plus et le voici, le coup de sifflet donc du début de partie donné par Monsieur Millot. Voilà donc, chers amis, dans les grandes lignes, la présentation de ce match qui n'aurait pas été complète sans que nous n'ayons pas une pensée émue pour la famille de notre éternel ami, éternel supporter du MHSC, Claude Ric, qui nous a tristement quittés cette semaine et qui méritait bien l'hommage que leur ont rendu tous les supporters du MHSC, cette banderole aussi qui apparaît sous mes yeux pour l'éternité, supporter du MHSC, Claude Ric, qui était une figure emblématique et qui donc nous a quittés cette semaine. On pense beaucoup à lui, moi, de la partie. Sous un beau soleil, c'est déjà ça, même si vos encouragements dans les tribunes ici à la Mosson nous manquent atrocement pour cette partie. Terminé. Attention quand même, Ripard, le tir de Ripard, oh là là. Une fois de plus, pour l'instant, c'est un concours d'échecs et mat au milieu de terrain. Il y a des pertes de balles d'un côté comme de l'autre, mais la belle ouverture d'Andy Delors, elle est pas mal avec une accélération de Gaëtan Laborde sur le côté droit. Maintenant, Laborde qui va pouvoir s'entrer du plan. Et dis-moi, se dégage, mais c'est bien, nous mettons quand même un petit peu la pression sur l'équipe gardoise depuis une bonne petite minute maintenant. Pour Gaëtan Laborde, le centre de Ristich dans le dos de la défense, la frappe de Laborde et elle est contrée par Fomba. Voilà une bonne situation. Je pense que c'est Pedro. Pedro Mendes qui s'approche du rond central, toujours pas d'ouverture devant. Et nous sommes encore dans le camp montpelliérain, c'est tout le problème, avec heureusement l'intervention de Ristich pour Savagnier maintenant. TJ Savagnier qui poursuit son effort, qui tente le combiné avec Ristich, ça n'est pas simple, il est sévèrement taclé. Allez la paillade, je vous vois tous encourager l'équipe en espérant qu'elle puisse ouvrir le score assez rapidement pour se mettre dans de meilleures conditions encore, même si nous avons quand même pas mal de feu au vert. Nous défendons, encore une fois, nous défendons à tel point que Hilton contraint de toucher. Les Nîmois sont toujours dans notre camp. Cri Nib Nada Nicht, toujours 0-0. Eh bien, là, on pourrait peut-être frémir de l'once d'un début d'occasion de but. Sur ce coup, oh là là, il nous a fait un joli coup, notre ami Omlin, parce qu'il est monté. On s'attendait à ce qu'il dégage des deux points. Eh bien, non, il a dégagé de la tête. Je dois le dire, nous avons un sentiment assez mitigé depuis le début de la partie. Ce qui dénote quand même que, Jérôme Arpillon n'a pas une équipe de totalement de peintres. Oui, mais c'est trop haut pour Laborde, c'est trop loin pour Delors et c'est trop en profondeur pour Ristich. Donc c'est pas de peau, puisque si je suis vos yeux, vous êtes en tout cas mes oreilles. Pendant ce temps, et bien sûr, il faut tenir compte, c'est un paramètre, ça n'est pas le seul, ça n'est pas le déterminant, mais ce paramètre du stade vide n'est pas de nature à transcender, bien sûr, les joueurs, ni à leur donner plus envie encore d'accentuer leurs efforts sur le plan offensif. Ils le voudraient bien, pourtant, il n'y a pas de solution, ça quadrille bien. Ils sont en 4-4-2. Bien joué, Vito, parce que c'était bien, ça n'était pas simple, c'était spectaculaire à l'œil nu, mais ça n'était pas très efficace à l'arrivée. Donc, et Loulou serait très heureux, oui, comme le dit Stéphane, serait très heureux que son équipe parvienne à trouver la solution. Oh, sévèrement taclé par Briançon. Et puis que la voilà la première biscotte de l'après-midi. Voilà, c'est parti, la frappe, elle est pas mal, et c'est le mur qui dévie. C'est le mur qui dévie. C'est dans le tas, si je puis dire. Andy Delors, devant au second poteau, à bord, oh, voilà, quelle énormissime occasion. L'énormissime occasion, la plus nette occasion depuis le début de la partie, sur cette déviation de la tête d'Andy Delors. Et c'est à bout portant, il a frappé de toutes ses forces Gaëtan Laborde. C'est bien Gaëtan, d'autant qu'il était quasiment dos au but. Il s'est tordu comme un verre. Grosse, très grosse occasion pour Laborde. Trop tôt ce ballon, un centre de dos. Ah ben on s'est un petit peu excité, ça nous manquait. Ah bah il a été solide le Gaillard là pour le coup. Bah, allez. Ah oui, il a poussé dans le dos
son adversaire Souquet. Hop là, le crochet de la contre-attaque pour l'animal dans la surface de réparation. Do va s'enfermer, le retour de Perret dans la borde qui poursuit l'effort le long de la ligne de touche là-bas avec le retour de Landre qui peut enchaîner maintenant pour Jordan Ferry dans la surface de réparation. Bon, je pense que voilà, il n'y aura pas de temps additionnel. Et oui, il va siffler exactement après 45 minutes et 4 Michel secondes. Michel Derzakarian ne peut pas être satisfait de ce qu'il a vu jusqu'à présent. Certes, ça n'est pas catastrophique, mais nous sommes un petit timorés. Alors, bon, le public nous manque. Les encouragements des supporters que vous êtes, pour la plupart, nous manquent atrocement, je vous l'ai dit. Mais ceci n'explique pas tout, quand ça même. Ça ne bouge pas beaucoup, hein, devant. Hein. C'est, le problème, il est là. C'est que, voilà, il n'y a pas de solution pour Jordan. On est un peu, voilà. Je ne dis pas complexé, mais on est un peu timorés. Et Vito, viens, Hélo. Il faut que, à partir de là, il faut que ça déclenche le mouvement. Mais on est tous, tout le monde est arrêté, il n'y a pas de mouvement. Si on joue sans arrêt, direct. On attend ça, parce que ouais, le terrain est sec, le ballon il met 3 joueurs arrivés. Une passe à Pedro, une passe à Dani, le ballon est... Mais il faut appuyer vos passes dans la course, il faut qu'on arrive à... Dès qu'on trouve nos couloirs. Mais la priorité, c'est d'abord de voir vers l'avant. Pas rentrer, il y a danger, le mec il vient, il colle, il faut être précis dans le jeu vers nos attaquants, de face, il faut qu'on soit présent au deuxième ballon. Mais à partir de là, c'est pareil. Il faut donner et bouger. Ok ? On porte le ballon. Il faut qu'on donne, on bouge. Les dégâts, ils vont se créer après. Allez. Il faut en fond pour les gagner. Allez. Faut les décanter, allez. Allez, beaucoup mieux, les mecs. En deuxième étoile, les mecs. Allez. Faut pas souffrir que de dire l'évidence, on va pas lui tourner le dos. Pour l'instant, ça tient. Bon, d'un malin, d'une cheville et d'un genou, d'un mollet, d'un partibia, ça tient, ça renvoie. Mais bon, j'ai l'impression que ça peut claquer d'un côté comme de l'autre. Hein. Ah, il conserve bien le ballon. Ah, c'est sûr, on entend Jérôme Arpinon. Danquet a laissé traîner la savate. Pour tenter de contrer le dégagement de Vitorino. Et ça repart. Allez, pour une bonne tête, une bonne déviation peut-être pour Savagnier. Ah là là, Savagnier en bonne position. C'est ça la problématique aussi du MHSC cet après-midi. Manque de mordant. Ristich a certainement pris, hop là, oui, je pense à l'arcade sourcilière de Mihailo. Victime, semble-t-il, d'un saignement, sans quoi l'arbitre de cette rencontre n'aurait pas appelé le soigneur Montpellier. Ah, il joue, les Nîmois sont très intelligents, ils ne se désunissent pas et sont très vite, très haut sur le porteur du ballon. On joue au poker menteur, là, pour l'instant, entre les deux équipes. Quand je dis pour l'instant, c'est Savagnier, bonne intervention de Pedro. Et voilà, mais les Nîmois sont là, de suite, on est étouffé. On a l'impression que l'équipe est cassée en deux, est coupée en deux. Et pour l'instant, on n'a pas la solution, on l'a pas trouvé. Pour l'instant, en tout cas, oui, c'est un peu mou cette partie, nous dit Fabien. Il a bien raison, oui, c'est mou parce que ça n'est pas enflammé comme les tribunes de la Mosson ne le sont évidemment pas cet après-midi. Delors, mais il n'y est pas, hein. Il n'y est pas, Andy. Allez, fini la digestion et la sieste. Il faut attaquer maintenant, nous dit Nicolas, avec une pointe d'humour, mais qui effectivement colle bien à la réalité. Il va falloir maintenant se bouger un peu plus. On va y aller au coup de sifflet. Ça y est, il va siffler, Monsieur Millot, là, parce que déjà que c'est pas, hein, déjà que c'est pas Carnaval de Rio cet après-midi à la Mosson. Si en plus on met 40 ans pour jouer le coup franc. Feinte, un premier adversaire, il passe. Va-t-il pouvoir frapper? Et il est rattrapé par Cubas. Il a trop porté son ballon, Arnaud. Et nous n'avons toujours pas trouvé la faille, la solution. Pour déverrouiller le coffre-fort Nîmois. Et ça, ce n'est pas la première fois que je le dis. On ne fait que balancer les ballons. Et oui, Jérôme, il a tout à fait raison. On balance trop des ballons. Et c'est ce qui peut expliquer quand même en grande partie le fait que nos attaquants n'aient pas eu de nombreuses situations. Nous essayons de progresser avec un centre bien travaillé de Souquet, le contrôle de la poitrine d'Andy Delors. Et attention, la contre-attaque Fomba, l'ouverture pour Ferrat. Ferrat qui déborde sur le côté, là-bas il va centrer. Oh là là, Omblin qui repousse le ballon du bout des gants. Heureusement, on s'en sort bien encore une fois. Alors, que me dites-vous? Un but, il faut que ça bouge un peu, Cédric. Eh oui, c'est vous. Il nous
mettent la pression. Physiquement, ils nous rentrent dedans, les amis, je vous le dis. Mais il va falloir se faire violence, hein, les amis. Les entrées sur le terrain d'Ambroise Yongo, couloir gauche de la défense, et de Florent Mollet aux côtés de Le Talec et de Savanier. C'est tout à fait dans la position qui est celle d'Elimois, ce qu'il faut faire. Hein. Ils conservent, ils font courir leurs adversaires. Ils vont essayer, si l'opportunité se présente, de les poignarder dans le dos. Pose aux hommes de Michel Derzakarian des problèmes comme aucune autre équipe auparavant à la Mousson, c'est clair. Mais c'est laborieux, que c'est laborieux, bon sang, que c'est laborieux. Écoutez, si Nicolas considère qu'il faudrait que Michel Derzakarian me fasse rentrer sur le terrain pour débloquer la situation, moi je veux bien, mais je le dis la mort dans l'âme, comme je le dis souvent depuis le début de cette partie, mais qu'est-ce que vous voulez, hein, on peut pas, un chat c'est un chat, la vérité, on peut pas la travestir à volo. Lénimois avec un très très bel enchaînement, attention à Ferrat, Ferrat qui approche de la surface pour un report, attention, c'est le but, aïe aïe aïe, c'est la catastrophe, Lénimois ouvre le score par Renaud Ripart, oh là 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 là, c'est incroyable. But pour Nîmes de Renaud Ripart, tout le camp nîmois explose, on l'imagine, c'est la catastrophe pour le MHSC. Renaud Ripart à la 84e minute de la partie, c'est catastrophique ce qui se passe à la Mousson, peut-être pour ne pas avoir pris suffisamment dans le bon sens et avec la hargne, la volonté qui aurait été nécessaire sur ce derby. Et bien voilà que Nîmes Olympique ouvre le score à la 84e minute sur un tir plein de malice, plein d'intelligence et de subtilité de Renaud Ripart. Explosion de joie, vous l'imaginez, dans le camp gardois, alors que c'est une véritable catastrophe dans le camp montpelliérain. C'est d'ailleurs depuis le retour du Nîmes Olympique en Ligue 1, il y a de cela 3 ans, la première fois que les gardois mènent à la marque sur la pelouse du Montpellier Hérault. Eh bien mes amis, nous voilà dans de beaux draps. Croyez-moi, nous voilà dans de beaux draps et on n'aura bientôt plus que nos yeux pour pleurer. Et certainement avec beaucoup, beaucoup de remords,